Yes, Niger footballers, we are live in Garoua, and as you can see, people seated behind me and more people are trooping in right now. Cameroon is currently taking on Cape Verde for their final group stage game, and we are in a place called Plateau in Garoua City, where people in Garoua can come watch football free of charge. You know, it's a place being put together by the government, and as you can see, football is the sport that brings people together, and everyone, the Cameroonian fans, are seated here cheering their team on to come watch live football game. Remember, it is the African Cup of Nations currently going on, and Garoua is a city that will be hosting some games, including the Super Eagles. So we'll be speaking to one or two fans what they make of this place being put together by the government. Stick around with us. We are Niger footballers. Par rapport à ce que le gouvernement camerounais a fait pour vous ici à Garoua pour la Coupe d'Afrique, oui. Qu'est-ce que vous sollicitez? Est-ce que ça te plaît? Oui, c'est vraiment satisfaisant. Nous vivons vraiment de la joie à Garoua. Et on a longtemps entendu la CAN. Et nous y sommes, la CAN est à Garoua. Et nous sommes heureux d'accueillir la CAN dans la ville de Garoua. Et nous sommes fiers. Ok, par rapport au village de la CAN, ça vous intéresse? Oui, c'est intéressant. Si nous quittons de la maison pour venir ici, ça veut dire que c'est intéressant. Nous trouvons des gens comme nous qui supportent les lions et nous sommes dans la joie. Donc c'est intéressant. Selon ce que le gouvernement camerounais a fait par rapport à la Coupe d'Afrique, est-ce que le coin que la ville de Garoua vous a fait pour voir les matchs, est-ce que vous, ça vous plaît? Le gouvernement a nous fait plaisir beaucoup quand même. C'est pour la peine, on a fait là. Ça a été un peu gâché, mais bon, à cause du Covid et des mesures qu'ils ont prises, mais moi, je ne travaille pas dans le sanitaire, ils étaient peut-être obligés de prendre ce genre de...